Du coup, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? Vous devez trouver le pourquoi du client en posant les questions que je vous ai présentées auparavant et déterminer quelle est l'APES, APES de votre client. Pourquoi il achète? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez posé ces questions, d'accord, à propos eh bien, de pourquoi il souhaite obtenir ce produit et vous allez obtenir des réponses. Et là, dans votre tête, vous allez penser, d'accord, est-ce qu'il souhaite acheter ça parce qu'il souhaite eh bien, sentir mieux, avoir une meilleure apparence? Est-ce que, au contraire, il souhaite ça parce qu'il souhaite de la performance? Ou est-ce que, au contraire, il souhaite ça pour eh bien, quelque chose de plus financièrement eh bien, abordable, par exemple, c'est moins cher? Ou est-ce qu'il souhaite ça pour eh bien, sa sécurité ou sa sûreté? Voilà, si vous vendez ça, il a de fortes chances que ce soit performance, soit c'est apparence. Si vous vendez ça, il y a de fortes chances que ce soit performance, donc chargé. Simple.